C'est le moment de faire nos vœux. Donc, alors attendez, comment ça fonctionne? CF3. Déjà, j'ai ça. Est-ce que ça veut dire que quand j'aurai fait mes 10 vœux, je l'aurai? Comment ça marche, ça? Non, je peux le faire 80 vœux? C'est juste que je me l'assure dans 80 vœux, c'est ça? Comment ça marche? Vous obtenez un personnage 5 étoiles. Ça va fermer dès que vous avez obtenu le personnage 5 étoiles choisi. Ok. Moi, c'est lui que je veux. Mais j'imagine que c'est pas lui que je peux choisir. Et là, j'en ai un au choix. Cool. Bah, du coup, puisque j'ai sa bannière à lui, on va prendre encore. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est mignonne. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on est d'accord, je peux pas changer. Je peux pas changer sa bannière à lui. Parce que là, il y a écrit au choix, je peux changer ou pas? Comment ça marche? Ok, là, on a ces détails, j'aime bien les cute. C'est le gaming de Wa. Donc, elle, il, je sais pas comment. Les mécaniques sont plus compliquées, ça, j'avais déjà lu. Verena, que t'as pas, il, si tu fais compétence, puis attaque chargée. Ah oui, d'accord. Et Renimi, bon, papoté. Et ça, c'est quoi? C'est historique? Historique, ouais. Ok. Le ticket, c'est un vœu, tu l'as, mais t'as un an pour choisir. Tu peux changer en haut les flèches à côté du texte jaune. Ça? Ah, cool. Alors, je mets encore et je choisis Lingan. C'est quoi comme type de perso Lingan, vous savez? J'ai besoin d'un healer actuellement. À la recherche d'un healer, mais d'un healer simple. Genre, sa compétence, c'est healer. C'est ça que je veux. Et je peux pas encore faire mes 10 vœux sur lui. Je vous laisse me dire et puis ça va me permettre de prendre mon choix, de faire mon choix. En attendant, on est reparti sur la quête. Let's go. Let's go pour la suite de notre aventure. Zibardi. Alors, la réverbération. Certains chercheurs croient que quand le phénomène d'érosion a eu lieu, les énergies, informations, même matériaux retrouvent leur forme originelle, qui sont des ondes vivantes, vibrantes. On dit que les énergies récentes sont donc des réverbérations. Intéressant, très intéressant. Demande à Genshin, recherche sur la personne. Discutons. Ouais, mais non, parce que Verena, il faut faire une attaque chargée. Et moi, je veux pas faire d'attaque chargée, c'est pas mon but. Comment se passe la recherche de personnes? J'ai trouvé Shiman. Il est avec le convoi de ravitaillement de l'arrière-garde. Il est retourné à la ville pour trouver Monsieur Chongyi. Vous voulez pas rentrer, n'est-ce pas? Shiman est une personne de cœur. Il veut aider l'armée influencée par son grand-père. C'est ce que j'ai compris en voyageant avec vous. Le champ de bataille devant nous est un endroit plus dur que n'importe quel autre. Soudain, ce monde est changé et souffre à cause de la guerre. La voie inférieure est dans la forêt, la voie du milieu dans la ville, la voie supérieure dans la guerre, disait le maître. C'est pourquoi je comprends les sentiments de Jinwan. Jin pense qu'il n'est pas nécessaire de s'entraîner dur pour rejoindre la guerre. Il n'est pas nécessaire de distinguer les résonateurs sur le champ de bataille. C'est ça, nous sommes tous des êtres humains, parfois nous devenons un fardeau pour les autres. C'est pourquoi ce n'est pas sa place. Shinyuan a raison. Je ne peux pas le convaincre simplement. Je me suis souvenu que chaque fois que je faisais quelque chose, Maître me faisait un combat d'entraînement. Je veux juste dire à Shinyuan comme mon maître me l'a enseigné à travers le combat. Je gagne. Oh, ça me stresse sa traduction parce que je comprends pas tout en fait. C'est ça qui m'embête, c'est que je suis en mode est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire ou c'est plutôt ça? Tu sais, c'est un peu incertain parce que la traduction n'est pas hyper claire quoi. Ne pas plier dans le vide, si tu bouges, tu sors, tu parles trop, tu te retrouves dans une impasse. Tu ne peux que te protéger. C'est une bonne idée, Shinyuan ne connaît que ça. Shinyuan a ressenti la différence entre une raisonnatrice et une personne ordinaire. Il comprend que son idéal de se battre n'est qu'une théorie. Même s'il peut faire quelque chose pour battre l'ennemi, il faut qu'il devienne plus fort. J'ai entendu dire que Madame Nomade et Madame Yang Yang ont encore des affaires. Si vous avez le temps plus tard, je serai heureuse que vous visitiez le salon de Télution. Je n'oublierai jamais que vous m'avez aidée. À bientôt. Nanananana.
C'est une surprise à propos de Madame Sienfine. Ce que nous avons appris cette fois, c'est que le mangoustan se réfère à la guerre. Que veut dire la magistrate? Ce monde est transformé et souffre à cause de la guerre. Est-ce qu'il essaie de nous faire rencontrer quelqu'un? Les pièces ne sont pas encore toutes réunies. Avez-vous une idée? Parlez de l'éruption des TD, de la route de transport, du général. L'information que Madame la magistrate veut transmettre à travers le mangoustan est l'éruption des TD? Si la ligne de défense est écrasée par les TD qui émergent comme une vague, les dommages pourraient s'étendre au-delà de Guangdong. Nous sommes encore à l'arrière. Nous sentons déjà l'odeur du massacre dans le vent. La tension, l'anxiété, qu'est-ce qui se passe à l'avant? Nourriture, alimentation. Waouh. Magnifique. Tintintin. C'est chaud de ouf. Ah. Oh. Waouh. Je le veux! Il me le faut! Stylé. Ah, je suis trop fan. J'ai jamais été aussi fan d'un perso masculin sur Genshin. Hein. Je suis vraiment très très fan de ce perso. C'est un coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Suivez Drago Azur. Avancez! Ah, j'adore! Trop fan! Alors, joli. Lingyuan, c'est un main DPS Ryo, je crois, en healer. Je suis pas sûre qu'il y en ait qui heal direct. Je connais pas encore bien les kits de perso. Ok, j'ai rien pris pour le moment. Prends ici en healer, elle fait le taf chez moi. Elle heal sans avoir à faire d'attaque chargée, de trucs comme ça? Juste, tu mets sa compétence, elle heal? Je vais baisser un petit chouï. Petit chouïa. J'ai l'impression que vous avez pas le son du jeu, les loulous. Quid, dites-moi. Je crois qu'il y a un bug de mon OBS et qu'il faut que je redémarre le live pour que vous ayez le son, ce qui est très très chiant. Ce qui est relativement relou. Parce que qui dit redémarrer le OBS dit redémarrer le live. C'est pas tellement le but. Je sais pas. Oh là là. Trop stylé. Bon, évidemment, il est très puissant et one-shot les ennemis, mais bon. On fait genre, on voit pas à quel point il est puissant. Je le veux! Trop stylé. Oh putain. Oh, je suis hyper fan. Oh, j'adore. Et encore, c'est pas une healeuse? Elle est trop mignonne. Elle est so cutie. La demoiselle aux cheveux roses. Waouh. Waouh. Putain, là, on voit du pâté. Hein. Mais que du pâté, quoi. Waouh. Incroyable. Trop stylé. Je me fais violenter. Je prends cher. Non mais regarde, dans ce jeu tu peux faire des gigasous de ouf, là j'adore. Je suis trop fan. Tous les persos peuvent faire des gigasous de ouf. Ouais. Comment rajouter de l'action là? C'est trop cool. J'aime bien comment ils ont rythmé le scénario. Tu sais, tu passes par des passages un peu longués et tout, puis d'un coup t'as un max d'action là, c'est trop bien, j'adore. J'adore. Attaque chargée aussi, la compétence aussi. Bah si la compétence elle fait et que je suis pas obligée d'attaque chargée, let's go. Hein. Et c'est qui du coup? Basie, c'est quoi? C'est une 4 étoiles ou une 5 étoiles? Ah, je suis trop fan.
Whoopiness. Je suis très très fan. Je suis très 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 fan. Il me le faut. Je le veux. Une 4 étoiles, bah faut que j'essaie de l'avoir, ouais. Peut-être je l'ai déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? J'avais vu des hallucinations, comme si je raisonnais avec un TD. Cool. Et j'ai été surpris. J'ai été surprise, vous ne bougiez pas quand je vous appelais. Comme si vous voyiez un autre monde. Ma vision est devenue celle d'un TD. Je ne pouvais voir que ce qui se passait à la plaine de Nordchute. Parler du général en bleu, de la femme en rouge. Il commande le dragon azur, mène l'armée et a le pouvoir de surpasser des milliers de gens. C'est le symbole du général Jinyan, le chef des gardiens de minuit. Il est vrai qu'il mène des guerriers pour affronter les TD à la frontière toute proche. J'ai jamais rencontré cette personne. C'est difficile à croire que c'est une coïncidence. Près du champ de bataille où le général et l'armée sont là. Vous avez vu le champ de bataille? C'est vraiment ce qui se passe, c'est étrange. Le champ de bataille semble être le présage de quelque chose ou... Le souffle qui vient de la plaine de Nordchute est plus sinistre que jamais. Nomade, à cet instant, ce champ de bataille doit être lié à vous. J'ai entendu une voix. Je n'ai pas ressenti avec la fréquence de la voix. Quoi que ce soit, peut-être... Coucou Anna, comment ça va? Tu nous racontes ta journée? T'as accumulé des points en attaque normale puis les libérer avec la compétence et ça soigne. Ok. C'est même une DPS fusion pyro, je crois. Encore une fois, pas sûr. J'ai encore eu le temps d'a... Ouais, ok, t'inquiète. Nomade? Mais si, dit qu'il existe des fréquences sur la feuille. L'endroit indiqué par le dernier signe est là. Stulé. En direction de la plaine centrale de la ville de Kishi. Tududum. Stulé. Ça va, il n'y avait pas grand monde aujourd'hui sur Toulon. Ouais, je comprends. Ok, bah moi ça va aussi, merci. Venez faire une pause et relisez votre cahier. Ça vous permettra de comprendre plus clairement les informations du vent et de clarifier vos pensées. Vous pouvez essayer aussi. Intéressant. Le message à magistrate, le guide est disponible. Appuyez maintenant. Tapez F2 pour construire le tutoriel. Ok. Je récupère juste la petite statue qu'il y a devant et je regarde ça. Je vais aller chercher mon perso. J'ai envie de faire des vœux et de prendre mon perso. On va tester juste avant de prendre mon perso. On va tester Baishi du coup. Une nouvelle arme équipée là pour augmenter les statistiques du personnage. Cool. Coucou toi. Un escargot de pluie. Utilisé pour synthétiser. Cool. Il y a un client ado enfant, je sais pas trop, qui me demande s'il y a déjà eu des vols de vaisselle et si on l'a nettoyé. Ok. Oui, vous l'avez nettoyé. Heureusement. Il y a déjà des gens qui vous ont volé de la vaisselle, j'imagine que oui. Nanana. On nettoie pas, on l'arrange comme ça, yes. Ok, cool. Nice. Juste avant, donc on retourne par là-bas, moi je vais aller tester Baishi. Je vais équiper Baishi et je vais la tester. Sur le final d'XP, la banque détenue le truc pour les échos pour débloquer plus de 5 étoiles. Ça me dit qu'il faut être au niveau de monde 4. Je suis trop en ayant fini la main quest. Aïe, 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 aïe. Du vol de vaisselle sûrement, en général, j'essaie d'être discret. Sauf une fois, on m'a demandé mon autorisation. Ah ouais? Bah t'as dit non du coup, j'imagine. Est-ce que je peux voler la vaisselle? Bah non. Non, non, en fait, comment dire? Comment dire, non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Trop bien, ça. On peut gagner des gemmes et tout, on te sent tous les personnages et tout, trop cool. Baishi. On équipe Baishi. Équipe. On prend Baishi, on met Baishi à la place de... De Danjin, du coup. Ça m'embête. En fait, ce qui m'embête, c'est que Baishi, elle a les cheveux foncés aussi. C'est qui, Baishi? Elle est là.
C'est que mon équipe, elle est fade. Ils ont tous les cheveux foncés. J'aimais bien avoir un perso aux cheveux rouges. C'est fade. J'espère que je vais avoir le perso aux cheveux verts. Parce que là, c'est fade. Ça manque de couleur. Et moi, je veux de la couleur. Elle est jolie, hein. Dis donc, madame. Vous êtes belle. Quoi? Vous êtes de toute beauté. Je peux équiper des armes, ok. Je vais la tester du coup au passage. On m'a dit que je pouvais équiper des armes. Alors ça, c'est pas une arme, c'est un écho. Et du coup, les aptitudes, ok. J'ai pas compris comment équiper une arme, mais d'accord. C'est les armes, les échos, c'est des armes du coup? Pour moi, c'était ça, mais là-haut, on me disait que je pouvais en équiper alors que je peux pas en équiper. Peut-être pas sur elle. J'ai envie de l'appeler Beishu alors que c'est Beishi, terrible. Let's go, on va tester. On va voir si elle will ou pas. Et ensuite, on avise sur le perso qu'on choisit. Le perso que je choisis. On va faire des vœux après. J'ai dit qu'il peut pas, mais il fait ce qu'il veut. Ok. Je viens de finir la préparation de mon bœuf bourguignon. Comment vous allez? Bah ça va, merci. Et toi? Trop bien ça, un petit bœuf bourguignon, ça régale. Il lui a demandé de rien dire, comme si ça faisait quelque chose qui va la vaisselle. Oh! Oh! Ça laisse les clients voler la vaisselle! Honteux! J'ai porté plainte contre lui. J'ai pas porté plainte contre lui parce qu'il a pris une vaisselle frite à 1 centime. Ça leur coûte pas 1 centime, ça leur coûte un peu plus cher quand même, non? Bah, quoique, ils achètent tellement en gros que c'est possible que ça leur coûte si peu, ouais. C'est possible, tu me diras. Quand t'achètes en gros, de toute façon, c'est tellement moins cher. De toute façon. Bah écoutez, on a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout, cette affaire. Ouais, bon, on a notre healeuse. Alors, confirmé. Pour le moment, on va vite changer, hein, mais pour le moment, on s'en contente. Bah ouais, c'est ça. Exactement. Tu le fais aussi? Non, je faisais ressouvenir le staff. Les frais industriels sont tellement avantageux. Aïe, aïe, aïe. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Alors, on a papoté sur Genshin. Du coup, on a terminé l'event. On l'avait pas terminé, là, celui qui se termine aujourd'hui. On a fait les primes, les requêtes. On a fait un peu de mon caillou aussi, je fais les échos, tout ça. Et puis nous sommes arrivés sur Wallowing Wave, sur Wuwa. Afin de faire un maximum de folie, on va faire nos vœux. Les pitifs, je veux lui, c'est lui que je veux. Bah du coup, je sais pas. Moi, si je choisissais uniquement pour le chara-design, j'aurais tendance à choisir soit encore, soit Lingwen. Le truc, c'est que Lingwen, il a les cheveux blancs. Et encore, elle a les cheveux roses et ça va rajouter un peu de peps dans mon équipe, tu vois, le rose. Verena, je suis pas hyper fan, elle est cute, mais sans plus. Allez, pour mettre de la couleur dans ma vie. Ta-ta-da-da-ta-tan-na-na. Elle est chouette ou pas encore? Elle est vraiment jolie, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais la tester d'abord. Allez, on teste d'abord. Avant de faire notre choix, on teste. S'il faut, je vais pas aimer son gameplay, je vais être en mode... Ah! Nul! Nul, nul, nul! On teste. Bah, lui, j'ai déjà testé. Ça, c'est des 4 étoiles, ok. J'ai vu tout à l'heure qu'on peut... Ah, je peux peut-être pas tester ce perso-là en particulier. J'ai vu tout à l'heure que je pouvais tester des persos, mais lesquels, du coup? Attendez, c'était où? Je me suis perdue. C'était pas ici. Est-ce que c'était là? Ok, est-ce que je peux tester encore? Je peux pas tester encore. Je voulais tester encore. Eh bien, tant pis. On va prendre encore quand même. Allez, ça part. Ça part, ça part. C'est pour mon petit kiff perso. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Ça, j'ai déjà répondu. Je vais garder des pantalons que j'ai réparés. Pas envie de leur demander. De dédommagement. Ah oui, ok.
Je n'ai pas raté de découverte de Wuthering Waves du live stream de la 4.7. Non. Non, non, non. Un carton de 90 emballages, je serais pas choquée qu'il touche à 5 euros, c'est possible, ouais. J'ai appris qu'ils ont des réparations à plus de 1000 euros, ça pique un peu, tu m'étonnes qu'ils ne veulent pas les sortir. Des réparations de pantalons, genre? Tu peux tester les temporaires via ah, les réparations de machines, trucs comme ça? Ouais, mais attends, c'est McDo, ils brassent tellement. C'est rien pour eux, 1000 euros. C'est rien de rien. Tu peux tester les temporaires via Event et ceux que tu as déjà, mais les paires Superman non obtenues. Mais pas les paires Superman. Tant pis, on prend. Coucou beauté! Bienvenue dans la team! Elle est trop cute! Beaucoup trop mignonne! Coucou demoiselle! Du coup, on poule sur lui, c'est parti! Ah, je suis trop refaite! Ta-ta-ta-ta. Soit on va avoir des 4 étoiles qu'on n'a pas! Ok. Cool. Pas de 4 étoiles qu'on n'a pas. J'ai le seum. Mais on va attendre sagement. J'espère que je vais bientôt pouvoir faire des vœux. Je veux Ziyan. Il me le faut. Je suis trop fan, je le veux. Ok, coucou beauté. Oh, elle est si mignonne. Elle est si cutie. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je la mets dans ma team tout de suite. Je veux la couleur dans ma vie, on la met dans la team. No. Snow. Nana, coco beauté. Et on va mettre Baishi. Mais ce qui m'embête Baishi, c'est qu'elle a les cheveux noirs, quoi. J'ai deux persos aux cheveux foncés dans ma team, ça me... Voilà. C'est fade, quoi. C'est so fade. Oh. Elle est trop mignonne! Je craque! Oh là là, si cute! Elle me fait penser à Klee avec sa façon de courir. La Naruto Run, j'adore sa tenue, trop chouette! Trop trop chouette! Les petits détails et tout, j'adore! Les petits yeux, trop cutie! Trop cutie, trop cutie! J'adore! Nice! Alors, est-ce que je peux la monter? Je peux mettre une arme, changer, oui, on peut mettre des armes, voilà. Ben, on va mettre ça. On va dire que c'est mieux. J'attends un peu avant de tout monter et tout. Quand je galérerai, je monterai tout. Je leur mets des trucs violets, mais quand je galérerai, je monterai tout. Tant que je galère pas, je laisse. Ce que j'espère d'ici à ce que je galère, hop là, renforcé. D'ici à ce que je galère de pouvoir d'avoir des armes encore meilleures. Des armes dorées. Je suis trop optimiste, je sais. Mince, j'ai enlevé. Non, je veux celle-ci du coup, changer. Ok. J'ai quand même un peu envie de les renforcer. Après, on les graille comme les autres. Allez, on renforce. Mes persos seront meilleurs comme ça. Allez, ça part. Ouais, bah ouais, c'est ça. Allez, ça part. Tout C'est quand même une somme à débourser, oui, bien sûr, bien sûr. Mais 1 000 euros, honnêtement, pour McDo, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. En chiffre d'affaires sur une journée, ça dépend des endroits, hein. Mais ça monte très très vite. Hein. Quand tu sais que t'en as qui déboursent facile 50 balles dans un McDo, 60, tu vois. Avec le nombre de clients qui brassent, ça monte très très vite. Hein. Certes, il y a les employés à payer, les charges, etc. Mais les loyers et tout, mais bon. Voilà. On a du succès? Tuto, ami, vous m'avez ajouté un ami? Pour le moment, j'ai la place, alors je vous ajoute. Hein. Je vous ajoute. Les trophées. Quand j'aurai plus la place, je me poserai des questions.
Ok, ensuite. Hop, 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 qu'est-ce qu'on a ici? Ok, pourquoi il y avait un petit point d'exclamation? Ok. Les tutos, les guides, le sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Tout y est neuf. Ah, faut que je clique sur tout pour faire genre c'est plus neuf. Chiant de ouf. Ah non, c'est que le point d'exclamation il est en bas. C'est pour ça. Ok, là c'est bon. Ok, les tutos, allez, j'ai compris, on va check les tutos. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ils ont entendu que la seule machine qu'on avait tombe en panne pour qu'ils en rachètent une autre. Ouf, j'ai mis en perso prêt, parmi ceux que j'ai. On a deux machines différentes, la deuxième est plus petite. Yanshin, elle est bien. Le jeu est assez sombre, à un moment, je pense que tu vas être obligé. À deux heures en général, ils se font au moins 1000 euros. Oui, ah oui, ah oui. Bon bah tranquille. Nickel le chrome. Machine à laver. Ok, d'accord. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Ok. Alors. On y retourne, c'est parti? Zebadi, on peut se taper ici? Let's go. Alors. Elle est trop mignonne. Je craque. Bon, j'ai des petits rollbacks, des petits bugs, paire de FPS, rollback et tout, mais. Faites genre, vous voyez pas. J'ai déjà senti quelque chose de signé sur la feuille, mais c'est si faible que je ne pouvais pas l'affirmer. Maintenant, je la ressens même sans y penser. Les sentiments de souffrance et de haine qui débordent. J'ai pas eu le temps. Chaque zone offre des bonus spécifiques dans la zone taciturne, spécifique, pardon. La zone taciturne de la plaine centrale, les sphères d'énergie concertantes sont générées périodiquement. Elles restaurent automatiquement l'énergie concertante et infligent des dégâts de zone. Ok. Maintenant, je ressens sans même une pensée. Les sentiments de souffrance et de haine qui débordent. Cet endroit sont très forts. On nettoie! Trop stylé. Je suis certain que des choses terribles se sont passées ici. Comme si une zone taciturne éliminée. Les tassés, soyez prudents. On est prudents, trop stylé. J'espère qu'il retient les seaux. Ils ont attendu qu'il casse pour en récupérer un seul. Donc sur les deux, on a un neuf et des seaux neufs. Avec des seaux neufs, d'accord. Même pour employer une entreprise pour des vitres extérieures des étages, ils n'ont pas embauché. Ok, d'accord. Compliqué, ouais. Compliqué, compliqué. C'est menti en fait, Yanshin. Bon, après, c'est peut-être aussi la direction qui fait ça pour pouvoir se payer plus. Je pense que c'est très très différent selon les McDo. C'est t'en as peut-être, ils font ça pour pouvoir se payer eux-mêmes plus, les dirigeants de ton McDo, tu vois. Ou ce genre de choses, tu vois. Tiens, on fait des économies là où on peut, comme ça je récupère un meilleur salaire à la fin du mois. Tu sais, t'as des gens, ils sont comme ça, quoi. Donc peut-être c'est pas l'entité McDo, mais peut-être c'est le dirigeant de ce McDo-là qui fait ça et ça remonte pas plus haut, donc ça reste comme ça, tu vois. Il y a peut-être ça aussi à prendre en compte, je sais pas du tout, mais à voir, quoi. Éliminer les ennemis dans la zone taciturne. On purifie. Nice. Il semble qu'on ait découvert quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trop mignonne. C'est une étrange plaque de bois qui semble être utilisée dans des cérémonies. Pourquoi est-elle ici? Normalement, on devrait la trouver dans un sanctuaire. Ça ne semble pas être de cette époque. Sur les archives, les villageois avaient une croyance et organisaient régulièrement une grande cérémonie de prière. Est-elle utilisée dans cette sorte de cérémonie? Allons voir ailleurs. Ok. J'ai envie de débloquer les quotidiennes. C'est dans longtemps les quotidiennes? Déjà j'ai les résines, mais les quotidiennes, c'est dans combien de temps? De jeu à peu près, vous pensez?
Tiens donc. Faites attention. Il n'attaque pas. Donitienne, sauvez-moi. Oula. Parlez. Ah, j'aime pas. Ça me fait des frissons. Il répète les mêmes mots. C'est pas un TD ordinaire. TD attaque pour absorber d'autres fréquences. Et ni lorsque les fréquences sont dispersées et reconduites, cette rémanence absorbe la fréquence humaine. Les mots répétés sont la répétition de la conscience de la personne attaquée. C'est son agonie, une partie de l'incident sanglant qui s'est produit ici. Elle pose sa main sur la tête du TD. Après avoir détecté sa respiration, elle montre une expression triste, j'imagine. Je suis désolée. Vous pouvez communiquer avec lui? Ce n'est pas le cas, mais j'ai ressenti des émotions très complexes. Une profonde tristesse, un peu d'espoir. J'ai une idée. Il criait pour chercher le salut. Pourtant, ce n'est pas lui-même qui cherchait à être sauvé. C'était des noms. Ce village est plongé dans la douleur. Il espère être libéré de cette souffrance infernale. Il y avait un incident horrible et les voix des victimes persistent. D'après ses traces, cet incident n'est pas d'un passé très loin. Le message laissé par le vent n'a pas encore disparu. Je ne sais pas si c'est l'effet de la zone taciturne ou c'est une intervention humaine. Cet incident n'a pas encore été rendu public, mais je pense que nous devons faire ce que nous seuls pouvons faire. Il se peut que des victimes soient encore ici. Je sens la présence de quelque chose de dangereux. Je m'enferme ici, Sia, mais ne devrions-nous pas commencer l'enquête nous-mêmes avant l'arrivée de l'équipe officielle? C'est une opinion subjective sans fondement. C'est pas grave, j'ai confiance en vous. Merci, Nomade. Ne baissez pas votre garde. Laissons-le ici. Ok, les braises suspectes. Suspicieux! Ces traces sont petites, elles ne semblent pas avoir été faites lors d'un combat. Plutôt des traces de blessés traînées. Regardez, s'il y a beaucoup de traces de pas, ce sont des traces de conflit. Un conflit ici et des blessés? Est-ce que peut-être l'œuvre de Fraxidus? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas très au courant, mais j'étais impliquée dans un cas lié à Fraxidus en tant qu'éclaireuse. C'est une organisation folle qui cherche à fusionner les humains et les TD. Et de grande envergure, a commis plusieurs attaques de terrorisme dans différents pays. Elle est également active à Shincho. Les membres de l'organisation qui ont été confirmés là-bas sont appelés les artificiers. Au-dessus de cela, il y a l'inquisiteur, qui est le leader. Les inquisiteurs ont tous des capacités différentes et sont considérés comme particulièrement dangereux. Certains disent qu'ils cherchent à détruire le monde, l'obtention du pouvoir éternel, etc. Leurs revendications sont diverses et ne sont pas clairement comprises. Je ne comprends pas. Ah, ça c'est un bug de dialogue. Ça c'est un dialogue perdu. Je ne pourrais pas vous le lire du coup. La machine à glace, on a plus de 1000 chèques depuis un bail, ils font pas réparer. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage parce que ça peut, c'est un manque à gagner en fait. Genre, il y en a, ils voulaient se faire un petit 1000 chèques en plus, ils peuvent pas. Et t'as des gens, ils aiment que les 1000 chèques et ils veulent pas autre chose, tu vois. Donc ça c'est dommage. Pareil, on a arrêté les ex parce que la machine à glace, c'est quoi les ex? What is that? J'ai beaucoup profité du fait de regarder tes lives que tu lises tout. Je go-skip une quête histoire personnage, je voulais pas en arriver là, mais il faut pas passer UL30 et donc phase rank 4 avant de capter, de caper en résine pour la rentabilité en l'utilisant sur des donjons plus hauts. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je comprends. T'as raison, profite. Profite. Des œufs, ouais, je sais ce que c'est des œufs, mais. Ils vendent des œufs en chocolat chez McDo? J'étais pas au courant. Je sais pas, des what is that? Nani nani. Une incarnation du chaos et de la folie qui s'est réjouie de la destruction de l'ordre des actes malveillants. J'ai eu ces cartes dans les dossiers. Ce sont les siens. Si impliqués, les gens de ce village ont sûrement subi des traitements cruels et inhumains. Ambiance! Ça rentre direct dans le vif du sujet. Jubert! Ah, tu peux pas skip, juste spam clip. Bon bah, tu peux lire en diagonale. Eggs and cheese. Ok, ça marche, c'est un œuf que tu fais cuire avec de l'huile. Ok, d'accord. Un œuf mollet, genre. Oh, baby chat. C'est mignon. Ah, c'est moins mignon, ça. Quoi? Ah. Ma présentation est gâchée. L'ambiance.
Il fait un peu peur. Les ennemis seront des personnages jouables ou pas? Ça a été annoncé ou pas? Dites-moi. Scar? Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Scar. Le fou brutal et inhumain. Oui, Yang Yang. Cette première rencontre, tu ne veux pas être dérangé, n'est-ce pas? Cette fille gêne ta réflexion. Rends-moi Yang Yang. Tu t'inquiètes tant pour elle? C'est vrai, je ne veux pas être détestée, pas encore. Elle est en sécurité. Profitons de notre temps à deux. Oublie les autres, j'ai beaucoup à te dire. Tu as perdu la mémoire? Comment ça? C'est donc vrai. C'est logique, ton visage faible à ton réveil, il n'y a pas de doute. Il est trop stylé, j'adore. Je suis sûre qu'il sera jouable. Un harceleur? Tu en as rendu compte? Je suis ravie. Ne me regarde pas ainsi, tu comprends, je suis un spectateur. Pourtant, je suis seule qui te confronte sans hypocrisie avec toute ma sincérité. Tu es déjà au cœur de la bataille quand tu ne sais rien. Un jeton de casino. L'arrivée d'un inconnu a déclenché une bataille acharnée. Tout le monde que tu as rencontré, y compris elle, comprend ton rôle. Ils connaissent bien le fait que tu es très valable. Ce monde est cruel et avide. Il traite les humains comme des simples pions. C'est pourquoi je vais te dire la vérité. Pour ma chère amie qui a un cruel destin, des choses horribles se produisent dans ta vie. C'est triste. Voici ma sincérité. Tu parles comme si tu étais une exception. Tu essaies également de me recruter. Non, j'attends ton choix. J'aime bien savoir. Mon but est simple. Je veux mieux te connaître. Regardons un peu plus le village. On fera le point après. Tu connaîtras le monde et ce que tu dois choisir deviendra plus clair. Notre jeu sera davantage intéressant. Je ne veux pas que quelqu'un vienne perturber ce moment unique entre nous, c'est tout. Que fait Praxidus dans cette ville? Ne me traite pas comme un coupable tout de suite. Ce que tu veux savoir, c'est ce qui s'est passé dans ce village. Je ne peux pas te le dire directement. Tu ne massacres pas les choses intéressantes. J'ai dit regarder et vérifier la réponse. Dis-moi, qu'as-tu vu? Une certaine cérémonie, un incident de blessure, un étrange TD. Tu as déjà remarqué. Alors que s'est-il passé ici? Fractilus a fait du mal aux villageois. Les villageois se sont battus et se sont blessés. Une histoire commune, n'est-ce pas? Innocent agneau. Mode de l'eau maléfique, bien et mal clairement défini. L'imaginaire constant des gens et les règles médiocres qui gouvernent le monde. La réalité n'est pas un conte de fées. Laisse-moi te donner un indice important. L'instant du village n'est pas assez simple. Les personnages de cette histoire sont une innocente jeune fille, un mère respectée, des villageois simples et bons. L'intrigue. Une adoration stupide, une bienveillance vacillante, des mensonges répandus, des vies volées, cette petite spéciale, la mort qui se rapproche. Maintenant, dommage, c'est à toi d'écrire cette histoire. Va voir le village, j'attends avec impatience l'histoire que tu vas y découvrir. Ambiance chelou! Putain, faut avoir le cœur bien accroché, j'ai l'impression. Dis donc. Ça manque un peu de mignonitude, non? Ok, donne un indice. Je vois, tu ne veux pas être lié par les règles. C'est bien. Il n'est pas encore temps pour les indices. Je ne veux pas que notre première rencontre soit un débat ennuyeux. Ne me déçois pas. Ok. Yvardi, est-ce qu'on peut encore lui parler? On veut la vérité. Je refuse. Ne pense pas à menacer, j'ai des cartes en main. Ne me déçois pas. Combattre à l'escar, venez, on le tape. Calme-toi, ne te précipite pas. Je veux aussi te combattre, mais pas maintenant. Si tu te bats ici, tu seras éliminé de la scène. Tu sais savoir ce qui s'est passé ici, non? Tu fais pas mal d'efforts. Tu penses abandonner la chance de trouver la vérité?
Ok. Venez, on essaie de le confronter. Ne le tape pas, c'est à ce qu'il dit ça. Ah, ok, je m'en vais alors. D'accord. Ok, merci pour l'info. J'ai failli forcer et le taper. Hein. On ne peut pas skipper l'histoire. On y va, on y va. Hey. Une page déchirée d'un livre d'images est insérée dans un journal écrit avec une écriture maladroite. Je m'appelle, ça va faire 2 mois qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison. L'ancienne maison était envahie par d'horribles monstres. Nous avons fait un long voyage pour en trouver une nouvelle. Je demande à ma mère et mon père quand ils pourront nous rejoindre. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient, qu'ils venaient me voir très bientôt. J'espérais que papa et maman soient bientôt avec nous. Il fait très clair ici, avec de grands pêcheurs. La vie est animée, même si les gens y vont rarement. Moi, le plus important, c'est que papa et maman me retrouvent. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Tout le monde est très gentil avec moi. Et il dit que je suis un porte-bonheur parce que je peux éloigner les monstres. J'en suis très heureux. Tout le monde m'apprécie. J'ai mangé du gâteau, des nouilles, longue vie et j'ai reçu des cadeaux. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu papa et maman. Est-ce qu'ils reviendront? C'est mon 4e anniversaire ici. Le chef du village m'a officiellement adoptée comme fille adoptive. Bien avant cela, j'ai également été prise en charge par tout le monde. J'ai grandi en mangeant sans repas. Mon père me dit que c'est une enfant de la ville de Kishi et que je vais être reconnaissante d'être née en tant qu'enfant de Kishi. J'ai la chance d'être aimée par tant de gens. Bien que mon pouvoir soit encore très faible, je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger la ville de l'attaque des Tassés Discord. C'est le début de l'histoire. Il y avait un troupeau de chevreaux libres et heureux dans le village. Ils travaillaient dur chaque jour pour trouver de la nourriture. Le soir, ils se cachaient pour échapper aux loups. J'aime les histoires, n'est-ce pas? Les gens apprennent des leçons, des contes de fées. La plupart de ces histoires sont des versions modifiées de la réalité. La même histoire peut changer complètement selon le narrateur. L'histoire que le personnage comprend n'est qu'une des nombreuses versions. C'est comme nous maintenant, n'est-ce pas? Dommage, mais je ne suis pas à l'origine de tout. C'est là que j'ai le début de mon histoire avec Shincho. Je dois remercier la magistrate qui t'a guidée. On le suit. Enfin, on la suit, du coup, c'est une petite fille. Si j'ai bien compris. En tout cas, c'est le tassé de Discord qui a les paroles de la petite fille. On enquête. Nombreux vœux sont écrits sur les papiers accrochés aux branches. À cause de l'humidité, le contenu est presque illisible. Est-ce que ça marche vraiment? J'aimerais pouvoir me lever à nouveau si je pouvais. Je fais de l'argent. Je fais de l'argent que je ne pourrais pas dépenser pour le reste de ma vie. Incroyable, merci, ma jambe s'est vraiment rétablie. Pourquoi ma mère m'a-t-elle laissé une fortune après sa mort? Que je ne peux pas utiliser pour réaliser mon souhait. Je veux que ma mère revienne. Je veux que mon père revienne. C'est étrange. Mon corps était déjà très fort après le traitement. Dernièrement, il semble s'affaiblir à nouveau. Mon corps ne semble pas être capable de faire quoi que ce soit. Est-ce parce que je n'ai pas assez donné? S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon souhait. Je paierai n'importe quel prix. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons tous? Une page déchirée d'un livre d'images est enterrée dans le sol. Un jour, un berger est venu dans ce village. Le berger a donné de la nourriture et un abri aux chevreaux. Et à réaliser leurs souhaits. Depuis, ils ont pu mener une vie heureuse. L'histoire ne fait que commencer, ne t'inquiète pas. Le berger a donné à ses chevreaux tout ce qu'ils voulaient. En remuant la queue, ont obtenu beaucoup d'herbes vertes et un abri sûr. Ils ont obtenu des ressources infinies, une vie parfaite, sans contrepartie. Ainsi, le berger est devenu Dieu. Ils ont prié, remercié, respecté cette grande figure. Qu'est-ce qui ne va pas, tu es pâle? Tu ne laisserais pas tenter et ne supplieras pas les supérieurs, n'est-ce pas? Les humains sont égaux, il n'y a pas de hiérarchie. Je ne pensais pas que nous entendrions si vite. Le monde d'aujourd'hui est différent. Le berger est toujours là, les chevreux l'acceptent avec un air innocent. Pourquoi ne pas créer un monde comme tel avec moi? Non, merci. Cela ne m'intéresse pas beaucoup. Pas du tout même. Si pas souvent, il y a un orage. Ah, chiant. C'est pas le but d'un jeu de taper. Oh! T'aurais pu le garder ton orage juste après moi. Bah super! J'avoue, vous auriez pu le garder pour vous. Chez Jessica, donc les endroits indiqués par le tassé Discord. Il y a aussi des pages ici. Les chevreaux ont organisé une fête autour du feu aujourd'hui. Jour et nuit, accueillant le berger à exception d'un seul chevreau noir. Mais c'est lui le chevreau noir, non? Il a le même genre de cicatrice. En une nuit, le chevreau noir a réalisé le nombre des habitants diminuer de jour en jour. Mais penses-tu qu'il y a des vœux qui se réalisent dans ce monde sans contrepartie?
Une contrepartie est inévitable. Moi aussi, j'avais cette idée dans le passé. J'ai pris suffisant, on est toujours récompensé. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de véritable échange équivalent. Le monde est injuste dès le départ, n'est-ce pas? Si vous voulez être récompensé, vous avez besoin de plus de prix. Si un prix élevé est nécessaire pour réaliser un souhait, les gens hésiteront et pèseront les avantages et les inconvénients. Si quelqu'un d'autre paie ce prix, tout le monde voudra réaliser son souhait sans savoir qu'il pourrait devenir la victime du souhait de l'autre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Sylvanie? Tabada pam pam. Il semble y avoir de la saleté sur le mur. En y regardant de plus près, ce sont des lettres. Paradis a expulsé la monstre. C'est de sa faute, sont écrits. Il y a aussi une page du livre des mages. Bah tiens donc, ça a vite changé. D'abord, c'était oh là là, quel enfant incroyable, elle nous aide et tout. Puis après, c'était celle qu'il fallait virer du village, quoi. Le mouton noir. Le berger dit au chevreau, la musicienne du nom aurait dit au chevreau noir, bien sûr. Les adorables chevreaux ont accueilli une matinée normale, à l'exception du noir. Le chevreau enfreint la nouvelle règle établie par le berger. La vérité cachée a été révélée. Le berger a pu réaliser les souhaits des chevreaux sans aucun sacrifice. Voyant ce que le chevreau noir a fait en écoutant les paroles autoritaires du berger, que pensez-vous que les chevreaux ont fait? C'est l'histoire du chevreau pitoyable et stupide. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le diable le plus terrifiant à leur côté. J'ai des frissons, j'aime pas. J'aime pas. En fait, je pense que la petite, du coup, a permis de repousser les monstres au début et puis qu'après, elle les a attirés. Son pouvoir a dû changer avec le fait que ses parents ne reviennent pas et tout, et ça a dû attirer les monstres, j'imagine. Et du coup, c'est, tu sais, ça se retourne contre eux au final. Quelque chose comme ça, j'imagine. Je suis contente que tu aies remarqué cela. Qu'est-ce qui est arrivé à ce village, selon toi? Et t'as vérifié les réponses. Qui est le véritable coupable de la disparition des chevreaux? Je dirais le berger. Mais peut-être le chevreau noir, du coup. Le véritable coupable est bien le berger. Les chevreaux qui ont eu leur souhait exaucé par le berger, ils connaissent le prix à payer. Les chevreaux sont devenus aveugles face à la tentation. Ils ont fait semblant d'être aveugles parce que cela ne les concernait pas. Même s'ils avaient la chance de recommencer, ils feraient sûrement le même choix. Les chevreux ne peuvent que l'accepter le moment où la faucheuse les frappe. Deuxième question, quel est le prix pour réaliser un souhait? La vie. This is a life. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que la vie? Dernière question, que s'est-il passé pour le chevreau noir? Non, Nomad, dis-moi simplement ce que tu as vu. Qu'est-ce que la vérité? Le chevreau blanc et le berger ont tué le chevreau noir. Le chevreau blanc a été trompé par le berger, l'a mal compris. Le chevreau noir. Les chevreaux ne savaient pas la vérité, mais ont tous survécu. Oula. Je pense qu'ils ont tué le chevreau noir. Les chevreaux ont mal compris. Le berger a sacrifié les autres chevreaux pour réaliser leur souhait. Les chevreaux ont été trompés par le berger et ont sacrifié le chevreau noir qui a enfreint les règles. Attendez. Les chevreaux vivaient en se cachant des loups et en s'entraidant dans les villages. Le berger qui est venu exaucer les vœux des chevreaux et leur a donné de la nourriture et un abri sûr. Yaskar, il est où mon Mufasa? Ainsi, les chevreaux ont tenu une vie heureuse et stable. Le berger a commencé à les dominer. C'est le début de l'histoire. Je trouvais ça raciste. J'accumule du retard dans le chat, c'est vrai? C'est possible. Il sert à rendre au chef, t'as vu? Le berger a trouvé le chevreau noir et a dit « Je vais exaucer ton vœu. » En échange, j'ai besoin des autres chevreaux. Oh. Ah d'accord, la petite fille voulait récupérer ses parents. Le noir a refusé la proposition du berger. C'est à ce moment-là qu'il a été exclu et a perdu sa nourriture et son abri. Oh, petite bouille. On a fait des chèvres au miel, super. Non seulement cela, mais les autres chevreaux ont commencé à disparaître les uns après les autres. Le berger a dit ceci, le chevreau noir a enfin les règles. C'est lui qui a fait disparaître les chevreaux. Il ne réalisera plus leurs souhaits. Oh non! Petite bouille. Les chevreux savaient qu'ils pourraient devenir le prix en réalisant leurs souhaits.
Moi. Cependant, il pensait tout ce qu'il ne serait pas choisi comme prix. En même temps, certains pensent que s'il part déjà le risque de devenir le prix, il faut réaliser le souhait en risquant la vie d'un autre. Fais gaffe quand ils disent que c'est optionnel ou facultatif. Ouais. Des fois, c'est ce qui fait une partie de l'histoire, c'est sûr. Tout le monde le savait, mais personne ne le disait. Malgré la peur, ils ont suivi les règles du berger pour réaliser leur souhait insatiable. Je me suis fait avoir perso, j'avais prévenu un pote d'une pote. Il a bien eu les trucs que j'ai pas eu. Ok. Les Team Auteurs ont créé une paix merveilleuse, jusqu'à ce qu'elle soit détruite par le chevreau noir. Je sais pas précisément, il faut aussi réchauffer un pain qu'on appelle muffin. Aucun rapport avec la pâtisserie. Oui, j'en ai. Non, j'ai été voir du commercial. La cupidité des chevreaux et du berger était coupée par le noir. Ils sont encore en colère. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un œuf mollet, c'est des œufs durs. On enlève le jaune ou le blanc et on fait cuire dans un moule. Ok. Et puis des traces de feu et de sang avec la règle disparue de la vie de tous. C'est bon, j'ai rattrapé. Interdit de dire cacache. On va se battre maintenant, on va se battre. C'est une bonne histoire, n'est-ce pas? Vous comprenez maintenant la vérité. Les noirs enfreint les règles, les blancs égoïstes et égocentriques ont cédé à la puissance et à la convoitise. La fille a été sacrifiée. Les villageois se sont noyés dans la convoitise, se sont battus et se sont tués. C'est de leur propre faute. En exécutant les rebelles, on peut effrayer les chevreaux, les apaiser et maintenir des règles inébranlables. C'est pourquoi tu es devenu le berger? Non, dommage, tu te trompes. J'ai jamais été un berger. Mais non, nous sommes des chevreaux noirs qui brisent les règles existantes. Ceux qui chassent le monstre en devient un. Hein. C'est drôle, je t'aime de plus en plus. Regardons ensemble la fin du chevreau noir. Je veux pas, ça me rend triste. Stylé, on se tape! C'est bon, j'ai rattrapé le chat. Tout va bien. On se tapait, bim bam boum, on se tape. Dans ma tête, il y a tout qui tourne et ça fait bim et ça fait boum. Et dans ma tête, il y a tout qui tourne. C'est parti, on lui fait sa fête. Let's go. Un chaos sans fin. Néo. Réfléchis bien maintenant, quel est le bon chemin? Bon, on va voir, on verra bien. Hein. On va voir où ça nous mène. C'est rapide, ouais, je sais, je sais. Ça, c'est les habitudes de Genshin. La tête aussi, les yeux clignotent, on voit un troupeau de chevreaux. Les peluches sont vraiment mignonnes. Il y en a des noirs, des blancs, des rouges. Celui qui se jette à vos pieds est un pionnier qui se dirige courageusement vers l'éveil. Avançons fermement sur cette voie juste, comme eux. Ne précipite pas. Ne te précipite pas, tu pourras tomber. Tu pourrais tomber. Scar sera là, non? Non, pas encore. Et bim bam boum! Bim! Boum 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 bim! Bam! Efficace, impitoyable, nous avons tant de points communs. Ouais, je sais, je sais. Chut, ne sois pas trop pressé. Tu aimes devenir le berger qui établit les règles ou le chèvre noir qui les brise? Coucou toi! Et bim! Dans ta tronche de cake! Si une personne raisonnable vit seule parmi les fous, doit-on l'appeler raisonnable ou le seul hérétique fou? Elle a été raisonnable, fidèle à ses valeurs. Pensez-y, le berger n'est pas l'incarnation de la vérité établie. Si le berger disparaît, le chèvre noir gagne de la confiance. Il n'y aura plus d'agresseurs ni de victimes. En fait, je pense que la vie ne vaut pas d'être vécue si tu sais que tu as eu ce que tu voulais parce que tu as tué des dizaines de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça vaut pas. Enfin, moi, je sais que je pourrais pas. Je préférerais mourir et que des dizaines de personnes survivent que l'inverse. Ma vie ne vaut pas celle de dizaines de personnes.
Nomade. Let's go. C'est vraiment difficile à gérer. Je sais, je sais. L'orage est calmé. Et aïe, 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 aïe. Stylé de ouf. Stylé, 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 stylax. C'est pas magnifique. C'est pas de toute beauté. De toute beauté, de toute beauté. La beauté. Alors. Ouais, c'est juste dommage que les temps de chargement soient si longs en vrai. Hein. C'est dommage. Nomade. Yang Yang. J'ai brisé l'illusion créée par Scar. J'aurais dû le faire souffrir. Je dois te remercier. N'approche pas de nomade. Oh. Madame. Tu as promis de me laisser seule avec elle, n'est-ce pas? Avec des conditions, bien sûr. N'ajoute pas d'improvisation étrange. Tu ne penses qu'à protéger ton fragile morceau parfait. Pas besoin de me le dire exprès. Nomade, semble que notre rendez-vous se termine ici. N'oublie pas ce que j'ai dit. Un cadeau du ciel, un échange équitable ou un pari risqué. Quel sera ton choix? J'ai hâte de le savoir. Tu es intelligente. Tu ne te décideras pas si facilement. Alors, à bientôt. Stylé. Vous les suivez? Non, on ne sait pas encore si on peut gagner. Tout va bien? Il semble que Scar ait le pouvoir de téléporter et de créer un espace différent. Quand il m'a enfermé, je ne pouvais rien détecter. Elle est stylée. Je m'excuse pour le retard. Je suis contente que vous alliez bien. Ah. Pourquoi es-tu ici? Il se peut qu'il soit caché de peur. J'ai jamais vu un Ted avec une telle intelligence. Grand frère ne peut pas être Scar? C'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé avant que j'arrive? On raconte tout. Il semble que le drame de Kishi soit lié à la cérémonie. Il semble y avoir un sens à l'histoire que Scar raconte. Scar utilise souvent les histoires pour justifier ses idées et positions. Pour vérifier la vérité de ses paroles, il y a d'autres choix que d'inspecter le lieu de la cérémonie. Let's go! Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode, ou pas? Quoi? Rien. Il y a deux traces de fréquence, c'est ça? Direction du vent, c'est par là. Allons-y. Au sud. Tiens donc. Elle est trop belle. Oui, ils vont bien, tous les deux. Comme vous l'avez supposé, Scar ne leur a pas fait de mal. Comme vous l'avez deviné, je ne suis pas intervenue. Comment ça va de votre côté? S'il vous plaît, faites de votre sécurité une priorité, Madame la magistrate. D'ailleurs, pouvez-vous sortir la plaque de bois que vous avez trouvée avant? C'est donc là-dessus que nous allons arrêter cet épisode. Qu'en avez-vous pensé, dites-moi? Vous avez kiffé ou pas?